était une fois un vieil homme qui vivait avec sa vieille femme juste au bord de la mer Bleue. Ils avaient vécu dans leur vieille cabane 33 années durant. Le vieux pêchait au filet, la vieille filet le coton. Ils avaient vécu dans leur vieille cabane 33 années durant. Un jour, il jeta son filet et le retira rempli de vase. Jeta une deuxième fois le filet et le retira rempli d'algues. La troisième fois, il y avait dans le filet un petit poisson. D'or. Le poisson le supplia d'une voix humaine. Laisse-le pas repartir dans la mer, vieille pomme. Il souhaite pas repartir dans la mer, vieille pomme. Je te donnerai ton ce que tu voudras. Je te donnerai ton ce que tu voudras. Ce que tu Le vieil homme fut surpris et effrayé. 33 années durant, il avait pêché et jamais il n'avait entendu un poisson parler. Il laissa repartir le petit poisson d'or en lui disant gentiment: que Dieu soit avec toi, poisson d'or. Je n'ai pas besoin de récompense. Va dans la mer bleue, joue librement dans l'étendue. Le vieil homme rentre chez sa vieille et lui raconte le miracle. Tout ce que je voulais, mais je n'ai pas voulu de récompense et je l'ai laissé filer dans la mer bleue. La vieille commence à crier. Le vieux retourne à la mer bleue. La mer est frémissante.
l'appelle le poisson d'or. Celui-ci vient et demande.
Devant lui, une isba avec une lanterne, avec une cheminée en briques peinte en blanc, avec des portes en chêne. Va de ton plein gré à la mer, si
tu ne veux pas t'y mettre, mais avance-le. Le pauvre vieux va à la mer. La mer est noire. Il appelle le poisson. Celui-ci vient et demande. Saluant avec respect, le vieux répond. Pitié, petit poisson mort. La vieille est folle. Elle veut devenir une reine puissante.
vieille envoie les courtisans chercher son mari. Il le trouve et l'amène devant elle. Assise et auprès d'elle l'auge fendue.